Ça fait au moins une demi-heure que je le traque, ce saligo. Cible droit devant. Il se méfie. Un beau mâle, je dirais. Approximativement entre 4 et 500 kilos. Merde. Je perds le contact. Où est-ce qu'il est? Bon, et bien écoutez, une fois de plus, il s'en sort bien. De toute façon, il paiera pour attendre. On va se recroiser tous les deux. Bonsoir tout le monde, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans cette nouvelle expédition, dans cette folle expédition de chasse. Nous sommes aujourd'hui sur notre deuxième jour de chasse. Vous avez vu qu'on a changé un petit peu d'environnement par rapport à la dernière fois. On est cette fois-ci sur une nouvelle map. Vous voyez que le soleil est un petit peu plus présent, c'est un petit peu plus campagnard. Il y a de la forêt, il y a des montagnes, il y a un petit peu de tout. Bon, vous me direz sur la map de la Sibérie aussi, mais c'est un petit peu plus papant, je trouve, sur cette map. Bien entendu, aujourd'hui nous allons tenter une petite compilation de shoot. J'ai bien dit tenter parce que je vous assure que c'est chaud, hein. Franchement ça fait au moins une demi-heure que j'y suis et j'ai pas croisé masse de biches, hein. Déjà je tenais à vous remercier pour tous les commentaires et tous les pouces bleus que vous m'avez mis sur la première vidéo de chasse. Merci à tous, ça fait extrêmement plaisir. Enfin je dis la première vidéo, c'est pas la première vidéo, j'en avais déjà fait d'autres. Mais disons que ça fait très longtemps que j'y étais pas retourné. Oh, il est passé par ici? Il est au pas? Oh. C'est quoi ça? Un coyote, cri d'avertissement. Et qui c'est que tu veux avertir comme ça? T'aurais pas vu un ours des fois passer par ici? On a un joli visu en tout cas d'ici, hein. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez cette map ou si vous préférez l'autre tout simplement. Moi perso, je kiffe les deux. J'ai pas mal joué de mon côté la dernière fois sur la map de la Sibérie. J'ai chassé un petit peu d'ours polaire. Oui, vas-y, gueule, t'inquiète. De toute façon, nous, on va se diriger vers notre première aire de repos. C'est notre mission. Alors, bien sûr, vous allez voir qu'il fait pas toujours beau sur la map. Des fois, il va se mettre à pleuvoir. Et justement, faut savoir profiter de cette pluie pour s'infiltrer un petit peu entre les buissons et couvrir nos bruits de pas. Et ça va être cool. Activé, yes. Aire de repos débloquée. Donc, on a combien d'argent? On a 2906 balles. Ok, c'est cool. On va voir si on a moyen de s'acheter peut-être une nouvelle carabine. Ah non, clairement, on n'a pas les moyens. Celui-là, verrouillé, ok, faut être niveau 4. Arme de poing, c'est pareil, on a rien. On a un point de compétence à mettre quelque part. Le cône de pistage devient... Ouais, ça c'est pas mal. Un peu plus de pistage, c'est parfait. Ok, il est quelle heure? Il est 13h17 et ça commence à pleuvoir, vous voyez. Enquêter sur les traces découvertes au camp de Balmont de Hop. Accepté, vas-y, c'est parfait, nickel. Le camp de Hop, il est là. Bon bah écoutez, on va placer un marqueur et on va se diriger là-bas. On est à 1,14 km. Ce que j'ai oublié de faire, c'est prendre des munitions pour la carabine. Let's go mon vieux, un coup de spray à biche et on est y part. Hop. Crac. Allez, il saigne, donc t'as touché. Suis les traces de sang pour le retrouver. Il a pas pu aller bien loin, bah tu m'étonnes, je suis d'accord moi. Ah, je l'ai shooté ici, regardez ça. Blessure légère, t'inquiète pas, on va le retrouver, on va le pister. En plus on a notre petite compétence. Les traces, ils sont un peu plus étroites maintenant. On peut mieux le suivre. Ah. Ok, ça doit être lui. Crac, allez, salut. Oh, putain, il charge. On charge. Bâtard. Ouh. Il est tombé. Wow, comment qu'il m'a chargé, mon vieux. 88 kilos. Oh, regardez ça. Sur l'autre rive. Ils sont deux. Non, écoutez, on va les laisser, ils sont un petit peu loin. Nous, on va plutôt aller à l'objectif pour le moment. Un petit point découverte sur la carte, c'est toujours cool. Je le prends, voilà, hop, ça c'est bon. On a gagné du niveau, tu les as trouvés, parfait. Prends quelques photos et regarde où elles mènent. Il y a les traces d'un chasseur. Bon, attendez, qu'est-ce qu'on fait? On l'achète ça ou quoi? Oh, honnêtement, ça me fait chier de dépenser de la thune pour ça, quoi. J'aurais plutôt voulu acheter un fusil, moi. Non, on va pas l'acheter. Eh ben, on s'est mis bien à ce que je vois, mon petit hop là. Impeccable. Prenez des photos de traces autour du camp. Vas-y. Tiens, voilà. Alors, dis-moi où est-ce que ça mène. C'est bien un humain. Bah oui, j'avais remarqué. Maintenant, reste à savoir jusqu'où il est allé, quoi. Des vêtements déchirés. Oh, laisse tomber, mon vieux. De loin, on dirait une entité, quoi. C'est un truc de fou. Argent obtenu, plus 2500. Richard Hop, Doc m'a dit que vous aviez aidé pour le camp. Merci. Puis-je vous demander à nouveau de l'aide? Bah bien sûr, vas-y, fais péter. Tu devrais chasser un cerf de Virginie et essaye de toucher ses organes vitaux en pleine nuit. En pleine nuit? Vas-y. Rendez-vous au lac de Sheila. Ah ouais? Et il est où le lac de Sheila? Région des lacs. Lac de Sheila. Ah, putain, non, mais attends. Il va faire que ça. 2 km. Ok, bah. On n'est pas arrivé. Je pense qu'on va pouvoir chasser sur la route. Écoutez, je pense qu'on va partir sur une petite investigation. Un cerf à queue noire qui est parti au trot. On va pister tout ça. Tiens-toi prêt, me voilà. Oh, il s'accouple, le salopard, mon vieux. Il s'accouple. Ah ouais? Est-ce que ça te dirait de t'accoupler avec mon calibre 12, mon vieux, là? Hein? On pourrait peut-être fonder une famille, tous les deux, non? Ça fait du bruit dans les feuillages, là. Oh! Oh!
Salut toi. Salut vous même. Il est joli celui-là. Un bel élan, hein? Qu'en dites-vous? Ça il aime bien. Garde bien le sens du vent à l'esprit. Les animaux repéreront facilement ton odeur. T'inquiète, j'ai mon spray à biche. Il est là. Alors? Alors, deux coups. Je l'ai touché par ici, il y a du sang. Ok, il est passé par là. Oh yes, il est tombé, regardez ça. Ça, c'est beau, ça. 408 mètres de pistache, quand même, hein. Alors, je sais que vous m'avez donné pas mal de conseils dans les commentaires, notamment ceux qui sont experts en chasse et tout. Donc, vous m'avez dit que cette fois-ci, il fallait tirer au-dessus de la patte, quoi. Pas spécialement viser la tête, en fait. Ça commence à pleuvoir. Ça tombe bien. Cri d'avertissement, merde. Il est où, il est où, il est où? Il est là-bas. Allez, vas-y, tombe. Et cours, et cours, le petit cerf de Beaujolais. Iggy! Putain, mais où est-ce qu'il est tombé, quoi? Enfin, si, il est tombé déjà. Oh! Merde, merde, merde. Trop fatigué, trop fatigué. Récupère, récupère. Je me baisse, on se baisse. Pas perdre une occasion pareille. Dans le cœur. Merde, loupé la, le deuxième coup. Ouh, salut toi. Bonsoir. Merde. Ça pique. Merde, y'en a partout, y'en a partout, y'en a partout. Son pote, il s'est rien demandé, son pote. Il fait non, il vient de se prendre un pruneau d'un calibre 12 dans le cul, mais non, non, tranquille, on va aller boire un... On va aller boire un petit coup. Oh putain, y'a moyen. Coup double! On bat les couilles. Hein. Attends, mon vieux, là, non? J'ai l'impression que je l'ai même pas chatouillé, quoi. Vas-y, viens, toi. Loupé, saloperie, va. Regardez ça. 1, 2, 3. Y'a 3 beaux spécimens, là. Hein? On va y aller tranquille. Oh oh oh! Cri d'accouplement. Ils sont là, ils sont là, ils ont pas bougé du coup. Vas-y, vas-y, accouple-toi, mon vieux, accouple-toi. Bouge pas, j'arrive. Y'a ma carabine qui voudrait bien s'accoupler également. Où est-ce qu'ils sont, mon vieux? Putain, ils étaient là tout à l'heure, quoi. Oh, ça pleut. Ça tombe bien, ça, c'est pas trop mal. Où est-ce qu'ils sont? Putain, ils ont bougé, quoi. Ouais, ils ont dû bouger, hein. Les enfoirés, quoi. Rendez-vous à Balmont. Oh! Regardez, regardez ça, comment qu'il est beau celui-là. Viens, ma fufi! Viens, ma fufi! J'ai mis de bastos! Et peut-être 3! Vas-y, vas-y, vas-y! Oh, 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 oh! Il va tomber, il va tomber, il va tomber. Il va tomber, regardez, regardez, je le suis, je le suis. Hop, il est tombé. Je suis pas fou, non? Il a fait tout le tour du lac, l'enfoiré. Ah, déjà, de base, je l'ai bien touché, hein, blessure mortelle. Est-ce que c'est lui? C'est lui. Putain, j'ai mis quand même de la balle, là, non? Distance, je l'ai eu à 49 mètres, quand même. Et 559 mètres de track. Bon, écoutez, je crois qu'il est temps de passer un level au-dessus. Là, ça va chier. Par contre, ça commence à faire nuit. Ouais, 18h17. Ouais, on va peut-être pas chasser de nuit. Avec la lampe torche, en plus, on va être grillé à 15 km. Je pense qu'on va faire un petit somme. Vas-y, on va dormir jusqu'à... Oh, 6h18, c'est très bien. Ça me va. Voilà. Ah bah déjà. Le soleil vient de se lever. Des petits cerfs on va tuer. Un calibre 12, il va se manger. Ça va le coucher. Kiki! Mission, identifier des traces de 3 ours différents. Et où est-ce que je vais trouver ça, moi? Là, regardez. Voilà, il y a des traces d'ours ici. Ça, c'est des traces d'ours. Eh bien, regarde si tu peux trouver d'autres traces d'ours. Cri d'avertissement. Oh putain, l'enfoiré. Crac! Je l'ai touché là, hein? Nouvelle trace d'ours, c'est cool ça. Ouh! Ouh là 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 là, blessure mortelle. Oh!
bâtard! Comment qu'il m'a foutu les boules, l'enfoiré! Oh, en tout cas, j'ai gagné de la thune, là. Bon, puis il a fini de me parler, lui, là, mon vieux, là. Vas-y, là, fais péter ta mission, là. Prélever des coyotes à Sheila. Vas-y, fais péter. Putain, mon vieux, qu'est-ce qu'il radote? Oh, putain! Bah, vous voyez? Il est sourd comme un pot, mon vieux! Il est sourd comme un pot! Et puis en plus, il est à moitié aveugle! Oh là là, bah attendez, mais il était sourd le machin! Ou alors, je sais pas, il. Je sais pas ce qu'il foutait. Argent obtenu, 500 balles. C'est bon, je prends. Point de compétence à dépenser, 1. Eh bah écoutez, on va continuer à acheter le deuxième niveau pour les traces. Ça fait que maintenant, la distance à laquelle les traces sont visibles est mise en surbrillance et augmentée. On va voir les traces de plus loin, du coup. Ça, c'est cool. Oh là là, regardez ça, comment que c'est magnifique. Il est super beau, franchement, le jeu. Hein. Bon, je crois qu'on y est à Chila, là, non? Ouais, on y est. Maintenant, il nous reste plus qu'à trouver un coyote. Écoutez, 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 écoutez. Regardez, regardez. Contact. Ah bah je l'ai couché, mon vieux. One shot. Oh, le one shot, mon vieux. 100% pef. Joli tir, j'ai envie de dire. Vas-y, bois. Bien, ma fée. Voilà, c'est bien. Bois un coup. Rafraîchis-toi. Bouge pas. Je vais te désaltérer, moi. T'auras plus soif après ça. Ça rafraîchit comme un verre de coca, ça, hein? À mon avis, je pense que ça l'a piqué, là. Je peux te dire qu'elle est pas prête de reboire de sitôt. Hein. Pas dans ce coin-là, en tout cas. Tiens, ça, on va l'acheter, ça. Est-ce que j'ai assez, au moins? Oui, j'ai assez. Ouh. Écoutez, écoutez, juste en face. Ouais, là-bas. Regardez ça. Oh. Ouh, elle est en mode SMEFI. Elle est en mode SMEFI. Regardez ça. Viens, mec, Fifi. Ouais. Ouais. Regardez, regardez comment qu'elle arrive. Regardez comment qu'elle arrive en courant. Regardez comment qu'elle est conne. Eh, y en a un autre. Ah, t'as entendu le bruit de la femelle, mon vieux, hein? Ça a dû le requinquer 2 secondes. Ah bah ça pique, mon vieux, hein. Oh, 514 kilos. Bon, les gens, on va se laisser là. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me suis un petit peu amélioré depuis la dernière fois. Je pense quand même que c'était pas trop mal, non? En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et nous, on se revoit bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao tout le monde, bye bye. Regardez, juste, je vous laisse avec ce tir de la fin. Et voilà. Encore un beau tir. We'll be right back.